23 sous-groupes composent le peuple baoulé, dont les Satiklans de Botro. Ce peuple n'a pas la même histoire des migrations que l'ensemble conduit par la reine Ablapoko. Au Ghana, le peuple Alangira, aujourd'hui Satiklan, faisait partie du grand groupe d'Angira. Après une guerre fratricide, le peuple Alangira décida alors de quitter Kumasi vers 1690 sous la conduite du farouche guerrier Abosa. Les Alangira ont donc dévancé la reine Ablapoko en terre ivoirienne. Quand nous sommes allés dans la forêt d'Andofoué-Bounou, les autres du groupe Ablapoko, ils ont eu les mêmes problèmes avec les Ashanti. Ça fait à peu près 40 ans de séparation. L'origine du nom Satiklan donné au peuple Alangira provient de la rencontre des deux peuples frères. Un jour, deux chasseurs se rencontrent dans la forêt. Un chasseur de leur groupe et un chasseur de leur groupe. En expliquant, il se trouve que c'est nous, c'est le peuple Alangira qui est venu là, qu'on cherchait. Les chefs qui sont là, se sont dit, quelle belle affaire. En baoulé, c'est-à-dire Satiklan. Et c'est comme ça que c'est resté. Le nom Botro a aussi son histoire. Celui qui vient ici sans son accord, en tout cas, il n'en ressortira pas vivant. Donc, les gens ont appelé son campement Boyesro, la forêt qui fait peur. Boyesro. Bon, et c'est la transformation de Boyesro qui est devenue Botro. Le peuple Satiklan s'est installé sur son site actuel vers 1800. Les peuples Kodé et Satiklan sont les deux sous-groupes baoulés qui ont en commun bien de pratiques.